Allez, on est parti pour tenter la grosse connerie, comme vous le verrez peut-être sur la miniature, j'en sais rien. La tâche, pas pour les épaves, pour le Twin Steer. Alors, il est juste à réparer, faire le plein, et après, on peut le téléporter. Mais si tout se passe bien, ce que je vais tenter, c'est de le transporter. Alors, concessionnaire. Ouais, on va payer cher. Cher, cher, cher. On va le laisser tel quel. Tout terrain, parce que je vais en avoir besoin. Surélevé. Ça peut servir. Pneus, on va te mettre les nouveaux qu'ils ont rajoutés là, qui sont plutôt stylés. Alors, pas les IOD, les OHD. Ouais, je crois que c'est ceux-là qu'il faut mettre de toute façon. Bloc diff, oui, ça va nous être utile. Schnorkel, t'as déjà ça? On va te mettre ça. Ensuite, attelage haut. Voilà. Par soleil avant. Ouais. Anti-brouillard. Mettre une bonne grille à l'avant. Tu vas en avoir besoin. Ça. 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 On va t'équiper full. Ça. Les jantes. Hop, la couleur. Qu'est-ce qu'on va te mettre en couleur? T'as quoi déjà? T'as jaune, bleu. Ouais, je te verrai bien en jaune. Allez, hop. Mais ça va se faire en plusieurs étapes. Donc, premièrement, va falloir aller là-bas. Mais il va falloir le charger sur la photo que vous aurez peut-être vue. Donc il va me falloir une chargeuse. Bon, lui je crois qu'il est tout équipé comme il faut. Hein. Il a un moteur qui est plus puissant. Il sacrifie la consommation de carburant. Je comprends pas parce qu'il consomme pas plus. On va laisser tel quel. Ouais, 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 on va se faire un petit truc sympa. C'est totalement con tout ce que je vais faire. C'est inutile. Surtout en plus de ça, mais. C'est vraiment totalement inutile, hein, mais. Mais il faut exploiter tout ce que le jeu propose, hein. Sinon, ça sert à rien. Oula, on n'est pas bien centré. Oh, ouais, d'accord, allez, vas-y. Je suis en marche arrière, recule, merci. D'accord, c'est de ma faute, c'est de ma faute, c'est de ma faute, c'est de ma faute. Allez, tu sais quoi? Non. On reprend de zéro. Allez, ça m'énerve, j'étais quasiment bon, j'ai voulu le remettre juste un petit peu. Et comme les véhicules, ils glissent sur les plaques, ils ont aucune adhérence. Ça commence bien, ça, déjà. Alors, faut que je sois légèrement décollé du bord, mais pas trop non plus. Alors, l'arrière est pas du tout dedans. Ouais, il fera le taf, hein. Allez, il fera le taf. Changer de camion. Activer la rampe, empiler le camion, activer les balises, on en aura besoin. Allez, on dégage. Ouais, ça fait quand même déjà. Ça fait quand même déjà une jolie image. Hein. Ça fait quand même déjà une jolie petite photo là, je trouve. Là, on a déjà un joli petit convoi quand même. Y a de l'idée là. Hein. Il y a déjà un petit peu de l'idée là. Allez, c'est que le début. Je sais pas du tout niveau conso ce que ça va donner.
venir hausser le board, il devrait faire le taf. Là, c'est vraiment, vraiment pour le fun, hein, que je me fais chier à faire tout ça. Parce que là, j'ai déjà un camion là-bas. Il y a déjà une remorque de réparation, une remorque d'essence. Je les emmène aux Twins, c'est terminé. Donc c'est vraiment pour le fun. Mais il y a des fois, ça fait du bien aussi de s'amuser un peu comme ça, de ne pas rester sur les... Pourquoi tu cales en fait? T'es au plat, au lisse pratiquement? Je sais pas. Bah, écoute, quand tu sauras pourquoi tu t'arrêtes sur place, tu me dirais bien. Ce serait sympa, hein, parce que là, il n'y a pas de... Il y a zéro foutue raison pour que tu n'avances pas. Mais... À ta guise, hein. Ça fait déjà un joli convoi. Hein. Un jaune, un rouge. Alors, faut passer par la carrière, par le marécage. On va faire en sorte que ce soit pas trop long. On va dire la WD, consommer minimum. Parce que sinon, je vais bouffer toute l'arrière, toute l'essence là-bas. Mais en même temps, il y a vendeur de remorque aussi. Non, pas de dégâts. Gentil. On est habitué à mieux. Ah oui, non mais là par contre, oui, dégâts là, bah oui. Bah oui, non mais oui, là il fallait, hein. Bah oui. Frein, frein, main, ralenti, pas de vitesse. Je sais pas si c'est l'armure qui m'a poussé ou quoi, mais oula. Ah oui, je m'attendais pas, hein. Oui. Oui, je pensais que ça allait être moins long que ça, mais c'est vrai que j'ai une bonne remorque quand même. Hein. Surtout très large. Ouais. Bon bah j'ai pété l'avant, c'est impeccable. C'est impeccable, la zone de réparation elle est du côté du garage, je vais pas aller là-bas. Ça risque pas. Il y a une zone de répa normalement ici, mais c'est pour les points en mode hardcore. Bon bah tant pis, on aura un véhicule qui est pété à l'avant, super. Putain, j'y crois pas, j'ai freiné quoi, merde. On est à 20, on n'est pas à 70 quoi, on n'est pas un train non plus. On a des pneus, on a tout ce qu'il faut. Bah je sais pas, avance. Mais t'es sérieux? C'est le camion qui te retarde à ce point là? T'es trop chargé, c'est ça? T'es un petit peu fait pour normalement, hein. Mais je suis pas la route parce que je regarde pas où je vais. Et je voulais faire une photo avec le joli coucher de soleil là. Les couleurs qui sont plutôt cool. Et évidemment, il n'y a plus les couleurs. Ah ah ah, non, il n'y en a plus. Et on arrive devant la carrière. Je sais pas si j'ai bien fait de prendre un virage aussi serré. Oh, on a quand même un beau truc là. Là c'est kiffant pour s'amuser à faire ça. Wow. Alors la remorque elle fait n'importe quoi. Et le camion a été très gentil de rester, hein. Parce que là franchement c'était un peu tendu, hein. Donc je m'attendais pas à ce que ça passe pas quand même. Oh l'idée de con quand même. Ah, la remorque elle penche quand elle a envie. Hein. Là elle aurait dû pencher rien du tout.
Allez, le marécage et on est arrivé. Sur la carte déjà. C'est déjà pas mal. Alors, comment il passe? Vitesse haute, vitesse basse. Vitesse auto peut-être. Ah, Wattland, tu cales. La boîte haute, t'avais pas calé, mais c'est bizarre, c'est que mes roues ne tournent pas en fait. C'est problématique ça hein, dans le jeu, ce type de problème. Les roues ne tournent pas. C'est pas oulala, je galère, je patine. Non, c'est les roues, non, elles veulent pas tourner. Ce qui est problématique, c'est un peu la transmission là. Hein. T'es censé avoir une transmission, mec. Tu sais ce que c'est une transmission? Ouais, c'est quelque chose qui transmet la puissance du moteur dans les roues. Hein. Et là, il se passe rien. C'est quand même vraiment problématique, cette histoire. Alors, on va essayer d'éviter de couper l'élan que j'arrive à trouver à des moments. Oh là, c'est monstre quand même. Oh, oh là là, c'est stylé. Ouais, ça va quand même mieux comme ça. Ah, ça passe pas au niveau des câbles. J'ai trop de hauteur, ça passe pas au niveau des câbles. Ok. Allez les gars. Ah ouais. Bon, ça fera pas. Ça fera pas une super photo pour la miniature, mais ça immortalisera toujours un petit peu le mouvement, le moment. Voilà. Alors là, on va pas aller se foutre dans le poteau. La moitié de l'essence bientôt de partie. Petit moment de galère là, on sait pas d'où ils viennent mais ils sont là. Au moins le P12 ils n'utilisent pas d'essence. Pas de convoi, on fait un joli transport. Allez, on a dépassé la moitié de l'essence. C'est quand même chaud. Mais il en a tellement lourd là, j'ai l'impression qu'il y arrive. Et j'ai moyen de faire pire. T'amorces la transmission, s'il te plaît? J'ai vu la roue avant patiner, mais les roues arrière ne pas bouger. C'est ça un bloc diff? Non, je crois pas. Allez, de toute façon, dès qu'on est de l'autre côté, on
n'utilise plus les véhicules. On n'utilise plus la remorque, je veux dire. Donc on va être un peu plus léger. On va enfin y être. Je sais pas combien de temps j'ai mis, on a dit 20 minutes peut-être. Déjà j'avais commencé la vidéo, je l'ai arrêtée quand j'ai remarqué que tout ça c'était pour rien. Je voulais faire un super truc pour ramener le Twistir, mais en fait à chaque fois qu'on le ramenait, ben, on le ramenait pour faire Mumuse. Bon bah c'est ce que je vais faire, je vais le ramener pour faire Mumuse. Même les véhicules et tout, j'ai choisi des trucs pour faire joli, des trucs gros, des trucs costauds, des trucs que j'avais aussi. Parce que une grue lourde, j'en ai pas 50 quand sont capables. Ah, y a des fois je coince, mais on dirait que je suis pas sur des roues, quoi. On dirait que je suis vraiment en galère sur des... C'est vraiment curieux. Donc c'est que je vais finir par arriver dans le rouge avant d'atteindre un land deck. Ça pique quand même. C'est bon, j'avais le bloc diff, ça m'a pas aidé à tourner. Ah oui, ça déçoit quand même. Ça déçoit d'avoir un klaxon moins bon qu'un Western Star par exemple. Ça picote un peu. Allez, on y est. Ouf. Ah, ça fait déjà une chose de faite. On va boire un coup. Oula. J'ai vu le truc, il a fait quelque chose, il était pas content. Alors, on va faire ça en deuxième étape. Je fais encore quelques mètres. Allez. Allez, quelques mètres, là, je vais me garer juste à côté de l'armorque citerne. Hein, pour larguer ce gros bousin, là. Et après, on est tranquille. Gare pas trop loin. Ah merde. Je peux pas activer la rampe sinon. Ah, oups. Alors pour moi, changer de camion. Hop. Un peu brutal. J'en conçois. Alors, il faudrait aller chercher cette foutue remorque de carburant d'abord. Aller chercher là. On va voir de quoi il est capable le P12. Bon, j'espère que ça va pas être aussi lent que la donne, mais ça m'étonnerait. Ça devrait aller. Et il a pas l'air incroyable. Il y a quand même tout le chemin de merde ici. Je l'ai fait avec un camion début de jeu, ça devrait aller. Ça va, ça roule bien. C'est pas très rapide, mais au moins c'est constant, c'est propre. Voilà, la citerne est là. Ouais, manque de chance.
ce sera très bien. Hop. Ah, merde. Un petit peu, pourquoi pas, mais pas trop non plus. Je passe par où? Je couperai bien là. Hein. Je couperai bien, mais je suis pas sûr d'avoir la possibilité. Ah, hein. Oh, je me rappelle plus. Après, j'ai un camion correct. Je suis quand même chargé, mais il y a du moteur là-dedans. Je vais aller voir vite fait, il y a un rond-point au pire. Ça me permettrait d'éviter de faire tout le détour, même si ça roule bien. Et de me mettre dans le bon sens pour déposer la citerne. Oui. Ça a frotté. On n'a rien vu. Ah, il y a quand même des arbres partout. Ça peut m'aider à passer, ça peut me gêner à passer. Je sais pas si là aussi il n'y avait pas un Derrick qui a disparu. Alors voyons voir les arbres là. J'ai pas un treuil énorme. Il y a plein d'arbres ici, ça devrait m'aider. On va voir s'il s'en sort tout seul, mais. Ah, t'as pas de snorkel? Mais si, t'as des snorkels. Tu me racontes. Je sais pas pourquoi il avance pas du tout. On dirait que la remorque elle a coincé au-dessus. Ouais, finalement. Ton niveau d'eau là, franchement, tu te fous de ma gueule. Hein. Je sais pas si j'ai mis des snorkels standards ou quoi, mais. Chier tout le long, tu vas pas passer quoi. Ouais, je pensais que tu passerais. Bon bah comme ça je le sais. Il y a rien hein, pour passer. Bon, il y a rien de spécial. Ouais, il y avait rien donc pas coincer les anges non plus. T'as un petit peu d'adhérence. Ce serait pas trop tôt. Je suis pas sûr que j'ai pris le bon itinéraire là. Pour tourner autour, ça va être tendu. Et allez. Allez. Oh putain, il manquait 1 cm. Et il a fallu qu'il glisse au moment où il y avait le centimètre qui était possible à avoir. Allez, c'est pas grave, on a checké un petit truc que je. Oui, bah c'est bon, tu cales. Mais tu sais, tu peux mettre la 2 hein, quand même. Ça roule. Je voulais voir s'il était capable de passer ici n'importe quel véhicule et. N'importe quel véhicule, aucun ne serait passé, je pense. Alors, est-ce que je pourrais. L'idée, elle est un peu con. Hein. Je peux m'atteler à lui, de toute façon il bouge pas. Il est mort. Il est mort en dedans, comme disent les Canadiens. Ah, je me suis attaché au ficus là. Allez, s'il te plaît. C'est l'arbre là-bas, de toute façon, que je voulais. Je crois que ça va être dur de passer derrière aussi. Hein. Qu'il y avait plus large que ça. Allez! Mais t'as un arbre là-bas? Comment ça tu prends pas l'arbre là-bas? Mais je sais qu'il bouge pas donc tu peux tirer. Par contre, si t'es coincé là, tu vas vite me gonfler en fait. Hein. Je sais pas si ça s'est foutu dans un arbre ou quoi. J'ai l'impression que c'est l'arbre qui est devant moi qui a lâché. Comme par hasard, le seul à laquelle je peux pas m'accrocher, c'est celui dans lequel je suis coincé. Ah ouais. Ah ouais, j'ai compris. Hein. Ça va faire chier. Hein. Franchement, là, ça. Est-ce que ça se sent que ça va me faire chier, franchement? Une petite connerie, là, franchement.
Un petit grain de sable qui vient se foutre dedans, là, ça me... Ça commence à m'énerver, là. Là, tu vas me dire que tu vas passer tout droit? C'était bien un arbre, j'étais coincé dedans. Ouais, t'es censé passer, hein. Y a un truc qui coince. Hop, première étape de fait. Oh oui, mets là ton auto. Pour une fois que je veux la marche arrière automatique. Allez, go. La remorque devrait pas aller plus loin. Comme ça, on va garder le P5, le P12 ici au cas où j'ai besoin d'une grue, on sait jamais. Alors, où elle est où cette remorque? Ah, c'est qu'elle est foutrement loin. Elle est jusque là-bas, hein. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit si loin. Comme quoi, mon tuto de 25 minutes, il est quand même pas dégueu. Hein. Partir depuis quand même le garage du barrage, avec un camion citerne remorque, je crois. Il me semble que c'est un... Je pars avec un Flistar. Hein. Je pars directement, il me semble, avec un Flistar depuis le garage. Je ramène de quoi... Non, j'ai peut-être pas la citerne. J'ai peut-être juste la réparation. Donc peut-être juste un niveau 4. Je prends la citerne que je viens de prendre. Je répare, je fais le truc et il n'y a plus qu'à le téléporter. 25 minutes. C'est pas si mal, hein, sans me vanter. C'est pas si mal. Peut-être essayer un peu de boîte haute là parce qu'il commence à me saouler un petit peu. Il est pas très élégant quand même. Oh, je peux crocher. Comment tu peux caler? T'es pleine balle! T'es pleine balle, Gadjo! Qu'est-ce que t'arrives à rétrograder, à caler, là? Normalement, tes roues, elles sont censées patiner, puisque tu n'adhères pas. Donc, t'es pas censé caler, quoi. En côte, sur du lisse, je veux bien. Enfin, sur du truc cadère, parce que t'auras pas assez de... T'auras pas assez de peps, mais là, t'es censé glisser. C'est ce que tu fais depuis tout à l'heure, donc il y a un moment, faut savoir, quoi. Ah, ne fais pas un autre grain de sable dans l'engrenage, là, il y en aura sûrement d'autres. On y est presque. Il y a une route. Ouais, elle est là. Si on peut baisser une route. Ça pour une idée à la con. Et c'est pas fini. Vous aurez peut-être vu sur la miniature, je vais sûrement spoiler un peu. Grande chance pour faire une miniature un petit peu intéressante. Aguicheuse mais pas putaclic.
Non, tu regardes la météo actuelle, elle est pas. Let's go. On ramène ça là-bas. On va débloquer le twin steer, comme ça sera bon. Et ensuite on fait la finition, le transport. Comme ça, s'il y a le moindre souci, je peux le téléporter. De toute façon, tant qu'il est pas réparé, je ne peux pas le déplacer. Il est complètement figé. Ça, j'ai pas trop compris pourquoi ils ont fait ça. Il y a plein d'autres véhicules qu'on pouvait déplacer, même non réparer, il me semble. Le Taiga, par exemple, que j'avais déplacé et ramené. Peut-être le Twinsteer, au début, il était peut-être transportable. Peut-être qu'ils ont changé ça. Oh putain. Eh sérieux, comment tu cales? Putain, il est vraiment asthmatique des fois le P12. Tu te demandes où il cache sa puissance, comme le Derry Longhorn. Ils sont tous les deux dans le même combat. Ah, et dans 5 minutes, on doit y être, je pense. J'ai pas eu le temps. Pas eu le temps d'y passer, mais je m'en doutais que t'allais caler. La boîte haute, fais ton boulot. Ah putain, c'est pas possible. Pas moyen de passer la boîte haute plus de 10 secondes. Ah non, non, tu veux pas. On dirait que c'est une zone hyper adhérente, elle est juste lente. Tu vois pas les roues patiner, jamais. Boîte haute, boîte auto, rien. Ça ne patine jamais. Ah bon? J'ai tapé quoi, je peux savoir? Ah, le cul de l'arbre, hein. Ok. C'est pris un peu de dans le cul, évidemment, il bouge pas. Même mort, je l'ai pas ressuscité. Bon, bah, écoute, qu'est-ce que je te dis? Tu vas y arriver, c'est bon? Vraiment, il manque tellement de puissance qu'il arrive pas à patiner dans la boue. Est-ce que c'est suffisant pour faire comprendre que c'est de la merde? Tu devrais patiner dans la boue. À moins d'être en vitesse basse et tout pour justement éviter de patiner. Mais si t'as des vitesses normales que t'accélères comme une merde, ça patine. C'est logique, ça va avec. Allez, on y est presque. Ouais, petite boîte haute, là, je crois que ça passait. Ouf, tu me le retournes pas, par contre. Hein. Normalement, ça posera pas de soucis, mais je préfère éviter de perdre du temps pour rien, de faire un truc pas propre, de caler encore une énième fois. Ça me dépasse, mais c'est pas grave.
arrive. Alors, faut pas que je me garde n'importe comment. Voilà, je vais me foutre à côté, je vais voir si je peux l'atteindre depuis ici. Je crois que c'est... Le camion doit être pris en compte pour la réparation. Bon, de toute façon, je vais la ramener. Pourquoi est-ce que la remorque, elle glisse, là? C'est n'importe quoi. Hop. Alors, réparer. Voilà. Attacher remorque. Voilà. T'es obligé de me rater à ça. Mais t'arrêtes de faire coin-coin, là? Si t'arrives, t'es content de me voir ou quoi? La remorque à carburant. Voilà. Aide-moi ça. Elle sautille, la queue de la remorque, là, le triangle, je me demande quoi. L'attelage, ce que vous voulez. Hop. Deuxième étape faite. Troisième étape. Bon, on va aller faire le plein au vendeur de remorque, ça sera plus simple. Puisque il faut qu'on aille changer cette remorque. Bah oui, sinon mais vous croyez vraiment que ça allait tenir là-dessus? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Impossible. Alors, je vous rassure, ça sera pas la 8 places. Bon, vous l'aurez peut-être vu. Ah, super. Je savais que je passais près, je pensais pas à ce point. Elle est tellement longue, enfin elle tourne assez vite finalement. On se dit elle est longue, mais en fait elle tourne très très vite. J'aurais aimé pouvoir retransporter le véhicule là-dessus. Ou éventuellement avoir une autre rampe. Mais les rampes. Les 4 places à rampe là, elles sont pas assez larges pour le P12. J'arrive même pas à monter dessus, j'ai essayé. Pourtant j'ai réussi une fois. J'ai réussi à faire monter un P12 sur les rampes et je l'avais traîné avec le White Western en revenant justement d'ici dans une partie coop roleplay. Et ça avait marché. Là, je sais pas, j'ai réessayé, ça marchait plus. Du coup... Ah, oups, autant pour moi. Oui, autant pour moi. Donne-moi tout, vas-y. Hop. À réparer. Faire le plein. Ouais, la 8 places aurait été idéale, mais le problème de la 8 places, c'est que je vais avoir beaucoup de mal à la ramener. Je vois pas d'intérêt, de fun, etc. Donc, on va y aller en 5. Hein. Ouais, je suis mal barré. J'ai pris trop court. Je sais que la remorque elle va te retourner. C'est pas beau, je suis désolé. Je me suis foiré. J'aurais peut-être dû m'y reprendre, mais le camion me semblait tellement à la peine, je me suis demandé si elle allait passer. Ok, tu sais quoi? Tu veux que je reprenne? Ok, je reprends. Oh, d'accord, je suis en train de tordre la remorque. Tout va bien. Ça se trouve ça passe pas du tout. Mais au moins j'aurais fait ce qu'il fallait pour faire en sorte que ça passe. Ouais, bah ça passe pas. Tout juste, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Du coup j'aurais peut-être dû faire tout le tour. Traverser carrément. En travers. Je pense qu'on est plus à cet effort près quand même. T'es toujours en galère le bois. Hein. Je crois que je t'ai mis le premier moteur et ça va être une horreur à te ramener. Hein. Avec le twin sur le tronche. Hein. Sur la tronche. Ça va être vraiment une horreur.
J'ai pas voulu mettre un moteur qui consomme trop, mais en fait, tellement dans la merde avec ce moteur pourri que je t'ai mis que t'arrives à caler tout seul même avec une remorque à vide. C'est assez impressionnant quand même. Ah oui, d'accord, je commence à tourner à aucun poteau. Va falloir faire un effort là parce que. Ce sera pas la même tout à l'heure. Alors le twin, c'est plus loin là-bas et à gauche. On n'appuie pas le bouton pour changer de carte. Heureusement que je prends pas la 8 places parce que je serai en galère là avec ce moteur. Je me suis vraiment foiré. J'aurais dû prendre un moteur qui consomme plus, au moins il aurait moins peiné, j'aurais perdu moins de temps parce que du coup, de toute façon, c'est une consommation à la minute et autant aller plus vite et consommer un peu plus, ça reviendrait presque au même, mais j'aurais peut-être moins de galère. Parce que alors là. Ah ouais, mais mets la sauce, Gadjo. Mets la sauce, c'est la pédale de droite, hein. Parce que là, comment te dire, si t'arrives pas à accélérer sur du lisse, à vide, comment on va faire, hein? Très très vite à la peine. Très 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 vite. Ça va être compliqué hein, à vide à plein, je veux dire. Si t'es comme ça à vide, ça va être très compliqué. L'avantage c'est que si ça marche vraiment pas, je pourrais téléporter le véhicule, mais ça me ferait chier. On arrive. D'ailleurs, j'ai pas fait de petite photo et là il y a une belle brochette quand même à regarder. Les deux remorques, les deux véhicules. Peut-être qu'il y a moyen de mettre le board quelque part pour essayer de le glisser entre les trucs. Pas ouais. T'es tellement lent en fait que ça me saoule de faire des belles manœuvres parce qu'en fait faut que je prévoie mes manœuvres sans avance parce que sinon voilà je coupe trop court c'est un cauchemar hein. Vraiment c'est un cauchemar de pas avoir un bon moteur sur le boulevard. On verra s'ils finissent par nous en remettre un de moteur parce que il y avait eu une espèce de rumeur d'un moteur, un nouveau moteur pour les Beaux-Arts et Pacifique, ça serait justement le cas, puisque c'est les deux véhicules qu'on aurait bien besoin. Alors là, je suis dans la merde, parce que il y a le poteau. Mon véhicule tourne pas, il y a le poteau. Ah, ce que ça m'énerve. Il n'y a pas de moteur dans ce véhicule. Ils ont oublié de me mettre le moteur. Allez. C'est marrant, c'est que tu tournes trop quand je vais en marche avant et tu tournes pas assez quand je vais en marche arrière. T'as une explication à celle-là ou... Non, je voulais aller de l'autre côté, mais maintenant c'est foutu. Ah oui, ah oui, une bosse, la remorque arrête de tourner, c'est fini. Voilà. C'est perdu, c'est game over, super. Ouais. Si, si large que ça, cette saloperie. Et puis je vais être dans l'arbre.
d'accord pour dire que la photo va être dégueulasse là. C'est pas grave, c'est pas la photo la plus intéressante. Allez, marche avant, tu te mets en ligne droite, tu te gares et t'attends. Ouais, bien sûr, tout à fait, ouais. C'est exact. Pardon. Comment ça, je peux pas agripper le twin? C'est quoi votre délire? Ça va juste foutre en l'air tout mon truc, hein, si vous faites ça. Hein. J'étais peut-être trop loin. Non, je suis pas trop loin. Je suis pas à plat, c'est génial. Si je suis pas à plat, ça va foutre tout en l'air, mais comme la remorque, elle met 25 ans à venir au bon endroit, c'est pareil. Quand tu veux que tu te mets sur la route. Merci. Alors tu me l'expliques, celle-là elle est bonne ou elle est comment? Ah, voilà. Allez, on va dire qu'on va le déplacer juste le temps de le placer. Ah. Ouais, en fait t'es vraiment encastré que ce soit pour être conduit ou pas conduit. Hein. Dommage. Dedans, autant pour moi. On sait jamais, il y a peut-être une photo intéressante à faire. Putain, c'est vraiment un plaisir, hein, de... Ah, ok. Alors, c'est cool, hein. Le problème, c'est que... Tu devrais pas être là. Voilà, c'est là que tu devrais être. Ah, par contre, tu devrais être au milieu. Techniquement, j'ai testé ça dans une partie vite fait en map d'entraînement, ça devrait passer. Voilà, je serais bien que tu te remettes un peu plus au centre. Ça devrait à peu près le faire, hein. C'est là que ça peut être un peu inquiétant parce que si le camion se met à braquer n'importe comment. Il y en a lourd. Hein. Voilà, voilà. Ça c'est exactement le problème. Exactement le problème, c'est que cette espèce d'abruti, il a braqué ses roues. Et j'aurais dû, en fait, j'ai fait une connerie. C'est moi aussi. C'est moi aussi qui ai fait une connerie, c'est qu'en fait j'aurais dû... J'aurais dû me mettre derrière, c'est ce que j'avais fait en entraînement, à la répète. C'est un peu ça en fait. Ah là, il veut pas. Alors, si tu pouvais.
peut-être mettre la journée. Non, 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 tourne pas trop. Merci. Parce que là, du coup, en le prenant à l'arrière, je pourrais peut-être mieux le gérer. C'est ce que j'avais fait, mais il tourne les roues, hein, cet abruti. Il a rien à foutre à tourner les roues, mais il veut tourner les roues. Ça, c'est le gros problème. Alors, ce qui est étonnant, c'est que je peux pas le soulever, là. Si, ça y est, je peux. L'arrière a l'air d'être plus lourd que l'avant. Il y a mon camion qui lève le cul. Non, même pas. Pourquoi est-ce que tu le lèves pas? Ça serait con, ça. C'est quand même con. Pourquoi tu le lèves pas du tout? Tout à l'heure, je pouvais le lever, mais là, je peux pas. Ah, ça soulève un petit peu là. Ouais. Ça coince un petit peu. C'est pas comme ça que je voulais le faire, mais... C'est pas vraiment comme ça que j'avais prévu. L'important, c'est qu'il soit chargé. On va te remettre là, toi. Tac. Il est pas mal, mais il est pas trop mal placé. Par contre, je peux pas l'empiler, comment ça se fait? Ah mais, ok. C'est pas du tout ce camion là que je voulais prendre à la base, hein. Ah oui. Bon, tu m'as l'air pas si mal placé, hein. C'était celui là à la base que je voulais, hein. Ah. Je suis trop dessus. Voilà, peut-être que là. Voilà, là il veut. Voilà, là il veut. Qu'est-ce que ça donne là? C'est pas dégueu cette histoire, hein. Ah, il y a le P12 derrière, c'est excellent. C'est excellent, il y a tout ce qu'il faut là, tout est là. Les deux remorques, le P12 pour charger, le board, le truc là, tout le monde est là. Ah, ça pourrait... Ah, la miniature, ça va être chaud. Ça va être chaud, ça se verra pas, la miniature. Ça se verra pas, la miniature, mais... Dommage, il y avait de l'idée. Il y avait de l'idée, faudrait que je me cale, sinon limite comme ça. Eh ben, allez. Il n'y a plus qu'à ramener ce bousin. On va voir, est-ce que ça passe? Est-ce qu'il va se tenir? Je sens que je vais être obligé d'être en vitesse lente tout le temps. Oh là 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 là. Ah là là, quelle idée de con. Mais ça passe. Ça passe, c'est à peu près propre. Il y aurait des rampes, hein, avec un truc un peu large. Parce que bon, 3 places, presque 4 places. Il y a des mecs qui ont fait des tweaks de la remorque avec les rampes, là, la grosse que j'avais avant. Ils mettent 4 ressources dessus et c'est vrai que ça tient, hein, en fait. Il y a un tout petit débord qui est un petit peu dans la pente au bout, mais les rampes se ferment et tout fonctionne. Hein. On va faire le plein à la station service, à la station service, oui, si on veut. On va essayer d'éviter d'accrocher. Je suis assez fier de ma connerie, vous me direz. Je suis assez fier. Après, il va falloir passer un paquet de chemins, pas non plus des tonnes, hein. On les a tous fait avec le P12 à l'arrière. Il n'y a que la montée qui va être différente de la descente là, au niveau de la de merde,
la, comment, de la carrière. Voilà, je cherche mes mots. À 1h30 de jeu, là, non, je sais plus. Je sais plus à quelle heure je l'ai commencé. Non, ça va être peut-être 1h, 1h15, peut-être, je sais plus. On peut se calmer 2 secondes. Oh, on peut se calmer 2 secondes, s'il vous plaît. Si, si, on va se calmer 2 secondes. Je voudrais pas crasher la mission maintenant, ça me ferait chier. Quoi. Comment je vais faire par contre, c'est pour faire le plein, sachant que la remorque est un peu plus loin que là où je vais, qui va être juste sur mon... Voilà, on va couper le virage. Oh si si, on va couper le virage. Propre, on va couper le virage. Ah, la boîte auto, donne-moi ça, comment je l'éclate la boîte auto, il n'y a plus personne. Ou les encres des pneus, c'est pas foufou. Ouais, non, non, il faut que j'aille faire le plein. Je ferai une marche arrière, un demi-tour, j'en sais rien, mais il faut que je fasse le plein. Ouais, ça passe. J'ai assuré mon virage. Peut-être un peu trop serré. Ouais, tu veux pas. La boîte haute, la boîte auto, bof. Est-ce que je vais réussir à faire une manœuvre pour ramener la remorque? Ouais, je voulais pas toucher, mais c'est pas grave. Ouais, d'accord. Je suis déjà dans la merde. Ok. Je ne pensais pas à ce point. Ah, le dégât dans le moteur qui n'existe pas. Ah là là, ah c'est beau. C'est beau le dégât moteur en frottant le pare-buf. Ah c'est magnifique. Ah tu me fais rêver le jeu. Ouais, c'est pas ce qui aurait dû se passer, mais elle tourne vraiment pas. Je comprends pas, je sais pas si elle coince dans la boue ou quoi, mais... Alors je veux contrebraquer, la remorque elle est déjà partie 10 km trop loin. Qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas s'il y a des trous, si... Tu sais quoi en fait, je pourrais même, c'est carrément partir là. Pour ensuite la reprendre comme ça. J'ai déjà bouffé 20 litres. 20 litres pour un demi-tour, c'est pas mal hein. C'est pas mal, tu pars même pas, t'es déjà vide. Allez, on est parti. Je vais me servir à boire parce que j'ai soif. En faisant toutes ces conneries. Bon, bah, marécage, il n'y a pas le choix. On remonte par la carrière, il n'y a pas le choix. Et après, c'est du tout cuit. Quelle idée de con. Ah, j'aurais presque pu mettre un autre véhicule, hein. J'aurais pu mettre un scout sur le... Ou plusieurs scouts sur Twin Steer et puis faire un truc. Le P12, ça aurait été compliqué, je pense. Là, faut peut-être pas trop en demander. Mais un scout, un camion, ça aurait peut-être pu être jouable, un petit camion. Ouais.
Avec ce moteur, ce qui m'inquiète le plus, ça va être la montée de la carrière. Galère un petit peu dans la boue. On va lui laisser le temps. Hein. On va lui laisser le temps, il n'y a pas le choix. Hein. On peut utiliser le treuil, mais ça va pas changer grand chose. Là, si t'avances pas, c'est juste parce que t'es bugué. Vraiment, le moteur du board, il est asthmatique, c'est dingue. Le tout premier moteur, c'est vraiment de la merde. Je sais pas si c'est un moteur de Twingo qu'ils ont mis dedans à la base. Il fallait mettre un peu plus gros. Moi, ça, les roues, elles tournent pas, quoi. Les roues ne tournent pas, on dirait qu'il n'y a pas assez de jus. Il y a un moment, il faut du jus pour ce genre de camion. Surtout quand tu veux tenter des conneries comme ça. Mais ça, c'est autre chose. C'est plus joli qu'une 8 places, quand même. C'est pas du convoi de merde, là. Ouais, ça peut le faire. Marécage, ça va surtout être chiant. Quoi, il y a la petite montée aussi au niveau du marécage. Bon, j'ai une 5 places, elle est quand même large. C'est quand même un plateau large, ça va être chiant. Mais il n'y a pas d'autre solution parce que le passage gauche du marécage, il est extrêmement pentu. Il est encore pire, je crois. C'est étrange, c'est que je suis sûr qu'il adhère. Je suis sûr qu'il fait le taf. Tu lui mets un bon moteur, je suis sûr qu'il fait le taf. J'ai des camions où il passait tout droit là-dessus. Mais lui, on dirait vraiment qu'il en peut plus. Il est au bout de sa vie. Peut-être en boîte auto plutôt qu'en vitesse basse, j'en sais rien. Ah, mais j'ai pas la WD. Attends, me dis pas que j'avais oublié de le mettre. Je l'ai enlevé, c'est pas possible. Ah non, me dis pas que j'ai oublié de le mettre. Ah non, je suis pas con à ce point. J'ai pas fait gaffe, je sais pas si je l'ai enlevé par en appuyant tous les boutons ou si je l'avais oublié. Oh merde. Ah bah c'est sûr, j'essaie pas d'avancer si j'étais en propulsion tout le monde. Putain, je suis chier. J'espère que non. On va essayer de rester en auto, mais ouais, il commence déjà à te caler. Normalement, je devrais patiner, hein. Je devrais pas caler. Il y a une différence, hein, les gars. Alors, l'avantage, j'ai pas la 8 places, donc la montée de la carrière, ça devrait être un petit peu plus simple. Mais à voir comment ça se passe. Ça en sort pas trop mal en auto, ça fait un peu n'importe quoi on dirait, mais il s'en sort. J'aurais bien mis les balises, mais je vais caler. Là, je suis à peu près sur un petit bout de sec, je pouvais le faire. Alors j'aurais pu mettre le mode photo aussi, activer les phares, je crois des fois ça les allume. Et elle reste allumée quand on quitte. Normalement, il y a le passage, il est là-bas en face. Il y a une autre route qui part, mais je sais plus où. Elle doit être là-bas. Hein. Être là-bas vers le rocher.
Regarde-moi ça, il est en train de mourir là. Là, je suis en panne d'essence. Je suis pas en galère, je suis en panne d'essence. C'est impressionnant. Vraiment, je comprends pas. Je sais pas si c'est la boîte qui a chier. Si c'est le moteur. J'ai mis la boîte tout terrain. Le moteur, à mon avis, il a chier. Il n'y a pas assez de puissance là-dedans. Pourtant, je sais pas quand je le teste sur mon jeu. Enfin, je vais voir sur ma partie principale qu'est-ce que j'ai mis comme moteur. Parce que alors là. C'est juste pas possible, c'est inadmissible. Allez, première complexité. Cette saloperie de montée. Je sais plus s'il y a la place ou si c'est seulement parce que ça monte le problème. Il n'y a pas de moteur. Là il reprend, mais. Ah, j'ai peut-être l'arrière qui touche. Ah, j'ai peut-être l'arrière qui touche. Merde. J'ai essayé de prendre large pourtant, mais. Il tourne tellement vite le boa. Il est assez court, il tourne vite. Voilà, ça c'est pas mal. Là, je vais avoir un virage à droite, faut que j'aille serrer à gauche. Ouais, il est pas énorme, je peux pas le virage à droite. Ouais, il monte quand même, hein, ça va. À part qu'il cale parce que le moteur est à chier, mais. Sinon, il monte, hein, regarde. Ça y est, il a décidé. Tiens, j'ai senti, j'ai décollé. J'ai enlevé les cale-pieds, ça y est, c'est bon. Ouais, non, 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 il y a un tout petit problème qui fait que. Bah, non. Ah bon, d'accord. J'ai mis un treuil modèle XXS. Ok, je sais pas. Allez! Le pire, c'est que je suis même pas en galère, hein. Ou alors je suis dans une branche en adamantium. Ah bah je suis dans une branche en adamantium. Dites-le les gars. Dites-le. Le problème c'est qu'il a pas de jus quoi. Il a zéro jus le camion. Et il va bientôt plus en avoir non plus dans le réservoir de jus. Ça dégoûte quoi. Putain, je savais pas qu'il allait attacher. Je sais pas, il me semblait que je mettais pas le moteur le plus puissant pour consommer moins. Ouais, là, ça va être chaud. Ça va être chaud, du coup, à force de me faire chier, j'ai coupé le virage. Non, bah non. Je suis en train de faire du sale, mais. Je pense que là je vais pas passer parce qu'il faudrait que je décolle la remorque de l'arbre, à moins qu'elle glisse mais. Ouais, je suis collé dans l'arbre, qu'est-ce que tu veux? J'ai fait nimp, c'était pas prévu comme ça. Ouais, le problème c'est que là. Oula. Ça le décolle ou pas? C'est le problème. Ouais, d'accord, t'es encore attaché, c'est bien ce qui me semblait.
pire, il a de l'essence dans le moteur, hein. Dans le réservoir, je le piquerai. Hein. Moi, j'aime pas ça. Hein. Ouais, j'aurais bien pris plus loin, mais. C'est pas très très intéressant ce que tu me proposes là. Hein. Le décaler un petit peu là. Et toi? Allez, encore un tout petit peu. Je suis collé dans un arbre ou pas, non? Comment ça se passe? Là, on y est, je crois. Faire un petit effort. Là, j'arrive pas à monter. Il reste quasiment rien. Il reste quasiment rien dans le réservoir non plus. Heureusement que je vais lui piquer. Ça dégoûte, hein. Ça dégoûte, franchement. Ça dégoûte que j'ai pas de moteur. Ça me fout toute ma mission en l'air. Je suis dégoûté. J'ai assuré tout le long et je suis foutu en l'air parce que j'ai pas de moteur. Parce que les moteurs du jeu, c'est de la chiasse. Ça dégoûte. Ça dégoûte parce que. J'essaie d'attraper là, mais. Voilà. C'est bon. On a fait le tout petit cran qui manquait. Ouais, sauf que j'en ai peut-être remis un du coup. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu l'as ton adhérence ou tu l'as pas? Comment ça se passe? Ça m'intéresse. Hein. Ça m'intéresse de savoir. À des moments, t'adhères, t'adhères pas. Tu n'as pas de puissance, t'as de la puissance. Tu sais pas. Putain, ce que ça me saoule. J'aurais tellement voulu faire la mission bien propre et. Et quoi? Je sais pas ce que je suis en train d'attraper là. Allez, tire! On voit le peps, putain! On voit tout, là, j'en peux plus. Là, j'en ai marre, là. Franchement, là, ça commence de me gaver. Non, tu t'arrêtes. Il y a des moments où t'as un petit peu de jus, des moments où t'as plus rien, ça me... Ah, ça me donne envie de tout péter, là. Franchement, je suis dégoûté. Vraiment dégoûté, là je vais te piquer ton essence. Ah, je suis vert quoi d'avoir un moteur de chiasse à ce point là. Aide-moi ça en Twingo, tu vas plus vite quoi. Il faut arrêter quand t'as les roues qui tournent parce que c'est pas toujours le cas. Aide-moi ça, t'as l'impression qu'il n'y a pas de roues sur la remorque. J'ai l'impression de traîner une charrue. C'est. Non mais c'est cool hein, mais. Il y a un moment c'est mieux avec des roues. Allez, on va faire le plein parce que tu vas me gaver. On s'est retrouvé une jeunesse, on dirait. Ouais, ça y est. Non, non, je calme. Non, non, je t'assure, je calme. J'en peux plus. Voilà, ça y est, j'avance plus. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. J'ai bloqué les roues, j'ai mis le frein à main, j'arrête. Je sais pas pourquoi. Il y a. Ils te mettent des moteurs, mais qui vont pas dans ce camion. Je sais pas. La montée va être rude. La montée va être très rude. Avec un camion qui a pas un rond de peps, ça va être très très rude. Elle est pas trop haute au moins. Je m'attendais à pire. Je la vois toujours plus longue que ça. Mais c'est pas une 8 places. Il n'y a pas les angles qui devraient m'emmerder. Elle est quand même pas si rude que ça. Le camion a l'air de faire le taf pour l'instant. Ah, ça y est, c'est fini. Ah, ça y est, c'est fini. Ah, ça y est, j'ai cru que ça durerait 5 minutes, ça a duré une. D'accord.
C'est chaud quand même. C'est chaud quand même. C'est chaud. Ah putain, c'est chaud. Sérieux, j'ai pas le point de Troyes d'en face. C'est con, hein. Si t'arrivais à adhérer pour monter un petit peu en diagonale, on ferait un truc, hein. On ferait un truc. Pardon. D'accord. Alors, je m'attendais à ce que les roues tournent, hein. Voilà, merci. C'est un peu l'objectif d'avoir bloc diff, AWD, gros camion... C'est d'avoir des roues qui tournent. Je vais finir par me crasher parce que j'essaie de trouver de l'adhérence là où il devrait y en avoir. Voilà, merci. Allez. Ah, d'accord. T'es complètement dingue, hein. Pardon, 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 pardon. Non, non, tu n'enlèves pas le frein à main. Non, non. Je vais finir par me péter la rambarde là. Ah, putain. Là, je l'ai, oui, je l'ai. Allez, tourne les roues. Putain de bloc div de mes couilles. Pardon? T'as pas mieux que ça encore? Putain. Je sais pas où je suis, je sais pas. Je sais pas, je sais pas où je suis. C'est d'un agréable... Putain, je l'ai réussi. Mais j'aurais eu un moteur, j'aurais fait tellement plus joli. Non, Eh, franchement, va te faire foutre le jeu. Franchement, va te faire foutre le jeu. C'est dégueulasse de me pisser dessus comme ça. C'est dégueulasse, le machin, mais t'as couché quoi? Il y avait du poids, ok, mais tu te fous de moi. Non, je m'en fous de ton exposition. Je m'en bats les couilles de tous tes réglages de merde, là. Il n'y en a aucun qui m'intéresse, tu me les obliges à tous les mettre, mais il n'y en a aucun. Putain. T'as réussi à coucher là-dedans? Ça me dégoûte. Ça me dégoûte, et je peux pas le remettre dessus, ça me dégoûte. Ah, je suis déçu. Putain, je suis déçu. Allez, vas-y, dégage, parce que je veux plus te voir, c'est bon. Je te ressortirai une autre fois, toi le Board. Je veux plus te voir non plus avec ton moteur de merde, là, Carouf. Je sais pas où est-ce que t'as cherché un moteur aussi pourri, mais... Ah, t'es en bonne concurrence avec le Pacific P12 et Derry Longer. Vous êtes tous les trois des monstres de ridicule. Vous avez des moteurs de Twingo, c'est incroyable. Oupla, vous n'arrivez pas à tracter une remorque. Ouais, tu peux t'éclater, j'en ai rien à foutre. Je vais vendre la remorque et basta, c'est fini. Je suis dégoûté. Dégoûté, tu m'as foutu ma mission en l'air. C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Je vais arrêter le jeu là après. Demain, il y a la phase 9, normalement, il sera en PTS. Je vais m'occuper de ça, je vais pas avoir envie de jouer au jeu, je crois. Là, franchement, là, tu m'as dégoûté. C'est immonde ce que tu m'as fait. Je suis pas sûr que ça méritait ça. Tellement de temps de préparation, d'organisation, tout ça, pour que tu me retournes le truc, arriver à la ligne d'arrivée, quoi. Non, non, non. Non, non. À deux doigts de foutre la remorque à la poubelle et puis de me téléporter. Là, ça me. Non, non, là, je suis dégoûté. Je suis vraiment dégoûté. Ouais, va t'éclater dans le mur, je m'en fous, là, je suis plus à ça près. J'ai toutes mes photos, c'est bon, tu peux aller te faire foutre.
Non, là je, non, là, je pète un câble. Là, je suis à bout. Là, je suis à bout, c'est bon, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Si j'avais eu du peps, au moins j'aurais pu avancer un peu et arrêter de perdre 20 minutes à prendre 2 cm pour que la remorque elle couche. Aide-moi ça, rien de moi ça, tu peines sur du lisse. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est incroyable. Incroyable. J'aurais pu la vendre là, la remorque, j'ai oublié, à l'entrée du barrage. Je suis con, j'ai complètement zappé. Trop énervé, je suis désolé. Ah, je suis déçu, franchement, je suis dégoûté. Dégoûté de mettre en place un truc aussi costaud que ça, et que ça soit foutu en l'air, je suis dégoûté. Allez, de toute façon, ça valait pas le coup de s'emmerder d'aller plus loin. C'était pour le remettre, pour faire de la petite route, c'est bon, on a compris. Le jeu ne veut pas te permettre d'avoir des moteurs corrects dans les camions. Aide-moi ça. Je suis à combien, là? À 10, maxi? À 20, quand même? Ouais. Ouais, allez, 20. Ouais, si tu veux. Si tu veux, 20. 20 km/h au plat avec un gros truc comme ça. Je sais bien que ça va pas à 150, mais bon. Je sais pas si c'est la transmission ou le moteur, là, peut-être les deux, j'en sais rien. Il y a un truc qui va pas. Franchement, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça, il cale. Il cale. C'est ça, mets à 3, mets à 3, t'arrives déjà pas à avancer en 2, mais bien t'as 3. On sait jamais, ça ira peut-être plus vite, qui sait. Je suis vert. Je suis désolé. Dégoûté, désolé, franchement, je m'attendais à faire un truc bien et il a fallu que ça capote à la fin. C'est dingue. Tiens, ça c'est cadeau, voilà. C'est bien. Désolé, mais là, ça m'a tout dégoûté, ça m'a tout cassé. Ah, je suis putain de déçu, c'est incroyable. Bon, bah sur ce, désolé pour le petit test qui s'est soldé un petit peu mal, mais au moins j'ai fait le truc à peu près que je voulais, enfin presque, parce que quand on finit pas, ça dégoûte forcément quand on finit pas. C'est pas abouti. Allez, salut.